Les amis, aujourd'hui un tsunami a fait surface et a inondé la ville. Mon équipe et moi allons faire des découvertes de luxe en dessous de l'eau. Qu'est-ce que vous foutez là? Tiens, prends ça, Stop. Les gars, il y a un tsunami dans la ville. Arrête de raconter des conneries encore. Mais là, il est passé le tsunami, mais la ville elle est inondée. Je suis aujourd'hui avec Fab. Salut. Et LSF. Salut. Et aujourd'hui, les amis, nous avons un tsunami qui est apparu dans la ville durant la nuit, je suppose. Et on doit aller secourir nos voitures. Enfin, les voitures qui restent dedans. Alors, je sais pas ce qu'on va trouver, mais j'ai des nouveaux véhicules pour secourir les autres véhicules, tout simplement. Alors, Fab, tu prends le sous-marin? Allez, go. Donc, Fab va en sous-marin. En sous-marin, j'ai dit, tu te rends compte? Fab va en sous-marin. Moi, je prends le camion. LSF, tu peux prendre un autre camion avec un plateau. Ou, ah non, tu peux prendre un chargeur avec, tu sais, les longues forks là pour mettre les voitures. Celui-là, là. Ouais, ça peut être pas mal. De toute façon, on reviendra. On a plus. Ouais, non, du coup, pas le John Deere dans l'idée. Ouais, toujours pas le John Deere. Ouais. Voilà, c'est bon. Donc, Fab, okay. Sur sous-marin. Vas-y, Fab. Ouh là là. C'est normal que ton sous-marin il marche sur le macadam? Ouais. Ah d'accord, ok, bah c'est normal, on va pas chercher plus loin. Donc, bah tu vois, il y a de l'eau, vous m'avez dit qu'il y avait pas de tsunami, regardez à gauche un peu là. Bon, c'est rien ça, c'est une piscine. Bah oui, mais bon, il y a eu un peu d'eau quoi, il y a eu 2 mètres d'eau je crois dans la ville. Et on n'est pas à l'abri qu'il revienne hein, par contre. On n'est pas du tout à l'abri que le tsunami revienne, donc ça, faudra voir. Bah oui, t'as raison Fab, il y a pas d'eau, regarde. Non mais sans blague, sans déconner. Non, il y a pas d'eau. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me garer là en attendant et je vais aller chercher un autre véhicule pour mettre des panneaux ici devant pour dire aux automobilistes bah qu'ils viennent plus ici parce que bah sinon s'ils viennent ici, ils dire ciao à leur véhicule, tu vois. On a toujours notre bon vieux John Deere 2950 avec la petite remorque ici avec des cônes, des barrières et tout. Donc on va la prendre, boum. Alors s'il n'y a pas joué le plus réaliste possible aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas pu tourner ce week-end. Bon, je vous avais dit qu'on allait refaire ça de temps en temps, donc ça se peut qu'il n'y en ait pas toutes les semaines non plus. Ça nous permet aussi de faire d'autres types de vidéos, notamment cette petite vidéo assez sympathique. Me voilà arrivé. Fab, tu peux voir s'il reste pas des gens en vie ou. Ou des voitures, fais le tour pour nous dire si t'as des voitures. Ah, si, une voiture à droite. Alors, c'est des petites voitures, c'est quoi? Tu peux me dire la vitre? Non, c'est une genre de. Je sais pas si c'est de Rolls ou je sais pas ce que c'est de. Ah, une grosse voiture. Une grosse voiture? Bah, attends, on va commencer. Ouais. Hop là, bon, je vais déjà mettre les petits cônes ici. Je vais mettre les barrières devant pour dire d'éviter de venir. Hop là, ça faisait longtemps qu'on m'a demandé de refaire une vidéo inondation. La dernière fois qu'on en a fait une, c'était inondation de la ferme. Là, cette fois-ci, c'est l'inondation de la ville complète, mais vraiment où on va sauver des voitures aussi. Voilà, je vais mettre ici, tiens, je vais mettre d'ailleurs mon tracteur en travers, comme ça on est sûr qu'il y a personne qui passe. Par contre, de l'autre côté de la ville, il faudra faire pareil, sauf que je suis pas sûr que le tracteur passe à travers la ville. Hein. Voilà, plus personne viendra. Bon, c'est parti. Alors, moi, j'ai en fait directement une grue, un grappin sur mon camion. Donc, je vais pouvoir me charger moi-même. Si jamais LSF, ou, tu peux ramener encore, tiens, un autre tracteur avec un plateau derrière. Comme ça, toi, tu peux charger sur le plateau, tu vois. Ouais, vas-y, j'y vais. Ok. À droite, une voiture. Alors, Fab, fais le tour avec moi. Ok, donc, je vais charger celle-là. On va commencer par celle-là. T'en as trouvé d'autres pour le moment ou pas? Sûrement. Bah, je t'attends parce que. Ouais, attends-moi. Voilà. Alors là, mon pote, ça va être mal bas. Donc, ce camion, je voulais absolument vous le montrer dans cette situation parce que c'est un camion qui est sorti tout dernièrement. Putain, mais on a vraiment les pieds dans l'eau là. C'est un camion qui est sorti tout dernièrement et qui est vraiment super sympa. Vraiment, il permet de de mettre vos voitures ou même de charger tout ce que vous voulez. Et c'est plutôt sympa. Alors, attends, on va se mettre là. Et Wal. Oui. Que tu vas dans l'eau, prends ton tuba, hein, est-ce que t'as ta tête sous l'eau? Bah ouais, mais bon, excuse-moi, mais bon, j'en peux rien. Oula. Wow. La voiture elle fait 15 tonnes. Mais attends, la bagnole c'est. Elle est blindée, c'est pour ça. Mais attends, la bagnole elle fait 15 tonnes ou quoi? Elle est blindée, c'est mais pour ça. Mais c'est un tank, frère. Waouh! Mais c'est. Non, mais c'est l'eau qui fait ça. C'est ouais, bah ouais, l'eau. L'eau elle pèse lourd. Hein. On va laisser la voiture la plus compliquée à LSF. Non, mais sérieusement, je comprends pas. Elle pèse très très lourd. Vous pensez que les voitures là on pourra les réutiliser ou pas? Là, t'as une moto là, t'as droite si tu veux. J'ai une moto. Tranquille. Donc Fab évidemment privilégie toujours les véhicules aux passagers. Enfin, aux piétons. Il y a des mecs qui sont dans l'eau, mais Fab en a rien à foutre. Lui, ce qu'il voit, c'est les véhicules. Hop là. Ah bah la moto, tu vois, j'ai même pas besoin des pieds, hein. Ça va tout seul, hein. Encore heureux, tu me diras. Parce que si un camion comme ça c'est pas soulever la moto, il va avoir des petits soucis, hein. Bon, ouais. Attends, voilà, on va la mettre comme ça. Mais elle est... Mais elle pèse 15 tonnes là. Mais oui, tu vois, je te dis, non mais notre job gros. Quoi, même avec la tienne, tu sais pas. Bah, il se lève un peu. Attends, je l'ai mal pris aussi. Je vois des trucs. À ta droite, t'as une voiture à droite là. Ah, alors ça, c'est quoi? On testera parce que pour le moment, tout ce qu'on chope, c'est quand même des voitures assez luxueuses, hein, Fab. Bah, oui, ça prend des sous. Eh ouais, mais ça veut dire quoi? On est en train de les voler aux gens, tu te rends compte de ça? Merde. Bah, non, on les vole pas, on les sauve. Voilà, c'est vrai qu'on les sauve. Et après, on verra ce qu'on peut faire. Moi, peut-être que grâce à toi, Fab,
si tu pouvais souffler dessus après une fois qu'elles sont ressorties de l'eau, elles démarreront peut-être. Hein. Ah bah c'est sûr. C'est sûr. Hop là! Merde, attends, c'est ça, et voilà, viens! Ah, bah tu vois, celle-là, même pas besoin de pied! Même pas besoin de pied, non, mais l'autre, c'était vraiment du béton, la bagnole ou quoi? Ouais, je sais pas, ouais. Faut que je fasse doucement quand même. Faut pas... Il a même pas à prendre avec le chargeur. Mais non, tu vois, ouais. Il galère, hein! Non, mais c'est une galère totale, hein! Alors, comme j'ai dit. Elle est sur le toit, donc c'est chaud. Enfin, je vais essayer de la retourner. Ouais, alors ça, c'est de ma faute, je t'avoue, si elle est sur le toit. Mais hop! Oh là, oulalalala. Attends, j'ai une idée. On va la poser dessus, on va la sangler et on va dire que c'est à peu près bon comme ça. Et on va la ressangler comme ceci. Ok, bon, Fab, moi je vais bien, mais là il faut que je retourne parce que j'ai plus de place. Bah, faut du moins un plus grand plateau. Hein. Bah oui, mais bon, c'est le plateau derrière mon camion, hein, Fab. Tu m'excuseras, mais je peux pas faire des milliers de dessins. Bon, tu feras gaffe, le moteur de ton Scania est complètement dans l'eau. Pareil pour mon camion, ça tombe, il faut pas qu'on reste trop longtemps dans l'eau, sinon c'est la fin des fins. Ah, mais c'est pas grave, le filtre air il est résistant. Ah, bah bien. Le moteur est en fuite. En fait. Ouais, c'est ça quoi. Ouais, on va passer dans l'herbe, ce sera mieux que de passer dans le blé. Oh là, impeccable. Bon, ramène ça au dépôt. Pour le moment, le ciel est assez dégagé. On risque pas d'avoir une deuxième vague pour le moment. Oh la vache. Je vais prendre un troisième camion, donc j'ai ramené mon premier camion, LSF a chargé le sien, et il nous reste encore des voitures d'après ce que m'a dit Fab. Donc on enchaîne. Alors LSF il a pêché, qu'est-ce que t'as pêché, tu vois? Nous on va pas à la pêche aux poissons, on va à la pêche aux voitures. Voilà, j'ai pêché une gendarmerie 3008, épique. Ah oui c'est une 3008 que t'as pêché, donc oui on sauve même les gendarmes. Épique, ah bah oui. D'ailleurs ouais. Les amis, tant que je vous ai en vidéo, pour ceux qui vont au CIMA, je serai présent le dimanche 6 novembre à partir de 14h30 sur le stand Kubota. Venez nous rejoindre, je serai avec Energy 5 et je serai présent également le lundi 7 et le mardi 8 novembre, tout simplement bah, pour vous voir également. On se baladera dans la foire ces jours-là, mais le dimanche à partir de 14h30, on sera sur le stand Kubota, donc venez nombreux. Attends, comment tu veux que je fasse moi ici? Bah tu sais quoi, je suis obligé de me mettre comme ça. Hein. Oh, j'ai une meilleure idée. Bon, l'idée les amis, c'est de reculer, donc comme ça on n'a pas besoin de grue en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là, en fait, c'est un plateau qui s'abaisse et qui se relève tout seul, là je vous l'avais déjà montré je crois. Et là, je crois qu'il faut que je prenne plus d'élan. Bon, la voiture pèse encore 3,5 tonnes. Ah! C'est bon, j'ai réussi à la relever. Bon, ça c'est bon. Ok. Alors, on va essayer d'aller en choper d'autres, mais vu le poids de la voiture, c'est pas sûr. Bon, je vais te suivre, hein, Fab. Oh, le temps tu vas. Attends, je vais avancer. Ouais. Et non. Tu vas dans un petit truc à ta gauche, il y a une voiture qui traîne. Alors, moi je veux bien, hein, mais bon, vu la longueur du plateau. Ouais, si, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Mais oui, je vais y arriver, oui. Fab, t'as vu le temps? Oh ouais, là gris. Bah, il faisait bleu, gris, il faisait ciel bleu il y a 5 minutes. Eh, je le sens pas, hein. Ouais, si, je suis derrière. Fab, je le sens pas. T'as une voiture à ta gauche, là. Ah, mais je le sens pas quand même, Fab, t'as mais vu si, mais si, mais ils si, ont mais dit si, qu'il y avait des risques de re-tsunami. Pas grave, on se prend un coup de feu sur la tronche et tout. Hein. T'es vraiment malade, toi. Bon, elle est où, ta voiture, là? Non, mais recule. Ah. Elle a la petite rue à gauche. Bah recule. Oui, la petite rue, mais j'ai un plateau de 20 mètres. Bah oui, faut pas s'inquiéter. Ouais, ouais, bah oui, faut pas s'inquiéter, Fab, t'as raison. Mais non. Non, mais t'as raison, franchement, je vois pas ce qui se passe. Je peux plus démarrer mon véhicule, je suis sous l'eau, Fab, t'es rigole ou quoi? Sérieusement, Fab, sérieusement. Tu me laisses monter dans ton sous-marin, s'il te plaît? Vas-y, grimpe. Merci. Oh là, comment ça se pilote, ce machin-là? Pas comme une voiture. Et toi, tu restes à l'extérieur? Bah, rentre à pied. Bah, ouais, je coule, je nage, je vois pas. Rentre à pied. Rentre à pied, Fab. Ouais, je nage. Bon, il y a LSF qui nous attend au dépôt. Je sais pas ce que ça donne au dépôt, mais. Ça va. Ça commence. Oh là, merde. C'est pas évident à piloter ton bordel, là. Allez, vas-y, avance. Oh là là, on va jamais rentrer sain et sauf. Hein. Bon, et en plus, il nous reste. Et c'est pas possible, laisse-moi passer. Il nous reste des voitures à aller chercher. Alors, je sais pas comment on va aller chercher. Hein. Je pense qu'il va falloir sortir le ferry, non? Le John Deere, il est noyé là, attends. Bah oui, mais bon, tant pis, pas le choix, Fab, mais notre priorité reste notre mission. Alors les amis, au grand mot, les grands moyens, nous avons pris le ferry pour aller sauver les véhicules. Alors j'espère qu'ils ont mis leurs véhicules sur les watts, comme ça, on pourra les sauver le plus vite possible. Mais bon, on est... Oh merde, les barrières. Il y avait pas des barrières, là? Si, si, mais c'est pas... Non, t'inquiète. Ah, okay. On a passé dessus, c'est pas grave. Ah, bah non, si. Ah ouais. Ah si, ouais, si, on a passé dessus. Bah, en même temps, on n'a pas le temps. Bon, Fab, t'en avais repéré d'autres? Ah bah là, oh bah c'est bien, parce que vu qu'elles sont en hauteur et que nous, on est en hauteur, je vois les voitures directement, tu vois. Donc, note à moi-même, ne plus jamais écouter Fab, hein. Ouais, ça reviendra pas, machin, 2 minutes après, 10 mètres de flotte. C'est vraiment qu'il nous mette sur le toit de la station, hein. Bah oui, c'est celle qu'on va secourir. Ah bon, okay, d'accord. Oula, moi, je me fous, je traverse. Mets ton signe, là, Bon, bah, il faudrait que tu montes avec le chargeur sur le toit. T'en penses quoi? Ok, j'y vais, go. Attends, je veux dire...
Boum, boum. Ah bah peut-être qu'elle elle part... Oh non, bah non. Mais si elle est sur le toit qu'il a réussi à la sauver à temps, peut-être qu'elle démarre encore. Ah ouais, je saute bien dans la frise, ouais, ouais. Attends, attends. Rappuche-toi que je saute sur le pont, là. Attends, sur le toit, là. Énorme, énorme. Vas-y, Fab. Amène-la. Voilà. Mange. Ah non, mais il faut que toi... Mais pourquoi il a pas enlevé sa fourche? Tout bah... ça, je vais sauter, hein. Ouais, bah saute, tant pis, saute sur ta fourche, hein, tu veux que je te dise quoi. Vas-y, à fond de balle, Fab. Voilà. Nickel. Hop. Voilà. Tu sais qu'on a encore avec des voitures. Voilà. Bon, on a encore des voitures à aller chercher, Fab. Tu feras gaffe. Non, mais sérieusement, ah ouais. Quoi. C'est pas possible. On a récupéré la. On a remis bien sur toutes les voitures. Par contre, elle est où la route merde? C'était là à gauche, non? Ouais, c'était à gauche avant là-bas. T'étais ouais, trop loin. Bah, mais il fait pas. Il recule quand? Oh, marche arrière toute. Oh là, le bordel, toi. Et là, tu viens à gauche, là. Ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, mais t'es marre. Oula, oula, oh, oula, 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 oula. Attends, on est encore un peu. Oh, ouais, t'as eu ton permis de faire un paquet de bonus ou quoi, hein? Mais attends, Fab, on est en situation extrême et tu me demandes où j'ai eu mon permis. Bah ouais, je me demande, hein. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur les watts? Ah, il y a une autre voie, il y a une féfée sur le toit là-bas. Là. Ah bah oui, bah c'est celle où j'étais avec mon camion. Bah oui. Ah bah oui, bah alors toi, t'es vraiment marrant, toi, Fab. Alors les amis, si vous mettez 45 000 likes sur cette vidéo, nous ferons une course à 3 avec les voitures qu'on a récupérées dans la flotte. Donc c'est-à-dire de la Ferrari, de la Rolls Royce. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le moment? La... Non, on n'a pas de Lambo, je crois. Ah non, il a une Audi Q4. Et on a la 3008 de la gendarmerie. Et on a la 3008. Oh là là, elle va tracer. Bon, par contre, pour récupérer la féfée qu'elle a, mon pote, bonne chance. Hein. Alors on a récupéré la Ferrari. Grâce à Fab qui a mis du sien, hein, vraiment Fab, merci à toi d'avoir été récupéré la féfée. Par mais contre, rien, c'est, là, rien, là. C'est là comment on va faire pour la. Ça comme... bouge. Mais, bah oui, mais c'est normal. Tu veux que je tombe comment moi là-dedans? Attends, tu ouais, sais quoi? La voiture elle bouge, je vais avancer sa gueule. Oula, oula. Oula. Attends, en fait. Je suis sûr qu'on arrive à bon port. Hein. Si, si, on va arriver à bon port. Hein. Bon, peut-être pas avec tout le matériel, mais on va arriver à bon port. Hein. Attends, tu sais quoi là? Il faut que je tourne. Voilà. C'est une maison en face là. Ouais, bah au moins la voiture des pierres à feu. Putain, mais c'est quoi cette voiture là? Eh, tu penses qu'elle nous servirait pas pour la faire? Mais comment je vais faire moi pour aller là? Oula. Oh non! Dans la flotte. Tu penses qu'elle nous servira pas pour la ferme à l'ancienne, Fab? Si, pour passer les rouleaux. Pour tasser le silo. Ah, ouais. Attends, quelqu'un peut avancer un peu le ferry parce que là, je suis... Non, ça ne s'arrivera pas, là. Mais comment je vais faire, moi? T'es marrant. Attends, regarde comment je suis c'est en train des... de... Regarde comment je suis en train de slider sur le toit. Hey, tu descends, tu la jettes dessus le bateau. Ah ouais, bah ouais, bah ouais, Fab, t'es marrant, je peux même pas tourner, je peux rien faire là. Bah oui, ouais, ça prend, tu la jettes. Oh oh oh. Ils sont tous les autres côtés du. Hop là. Non. Oh non, il manque rien. Abaisse, hein. Tu peux plus abaisser la trappe là, c'est avec les clics. Ouais, attends. Oh non, me dis pas. Clic droit. Ouais, clic droit, tu fais ouais, tous les. Ça. Oh non, pas l'échelle, pas l'échelle. Pas l'échelle, j'en montais moi. Le truc et l'autre. Ah ben voilà, quand il trouve la touche, ça va mieux. Ah. Ah bah oui. Ah bah ça, c'était. Non. Elle descend, puis tu la. Attends. Attends. Mais, mais il manque rien, il manque un chouïa. Attends. Allez. Oh oui, voilà, Fab, merci. Ah mais... bah voilà. Franchement, nickel. J'avais pas vu quelqu'un de musclé comme ça depuis longtemps, Fab. C'est un truc de fou. Ouais. Oh, là, là. Voilà. Bon allez, Sef, tu peux y aller. On ferme tout. On rentre à la maison. Allez. Bon, si on arrive on à bon port, bonne chance à nous pour arriver sain et sauf. Hein. Voici toutes les voitures qu'on a pu sauver de l'inondation. Bon, une motocross, une Peugeot 3008, une Rolls Royce, une Audi, un bateau signe, mais non, celui-là c'était à nous. Une Ferrari et une Lamborghini. La toute dernière, c'est la, enfin, c'est celle qui est sortie sur King Mode il y a pas longtemps, c'est la Urus, je crois, celle-là, oui. Et la voiture des pierres à feu. Quelle voiture voulez-vous prendre pour la course finale qu'on va faire tous ensemble? En vrai, d'accord, j'ai merci. Bien tenté par, je prends la Lambo, hein, pardon. Bon bah moi je prends l'Audi. Prends la Ferrari, allez go. Allez go. Bon, ils m'ont traité de tricheur parce que j'ai pris une Lamborghini qui a la 320. En vrai, j'en savais rien à combien elle allait sur le jeu. Mais ouais, de toute façon, ouais. Non, ouais. Je vous jure que c'est vrai. Mais de toute façon, dans Farming, dès que tu dépasses tes 100 km/h, les voitures sont incontrôlables. Donc ça se peut que je gagne pas. Arrêtez. Et toi, LSF, elle va à combien en fait? 130. Et toi, Fab? 94. Voilà. Mmh. Bon bah voilà. Allez, 3, 2, 1, go. Ah, je l'ai. Non, allez, non, 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 non. Non, ça compte pas. Mais non, Fab, ah, ça compte pas. Mauvais dé. Eh, bande d'enfoirés. Vous êtes vraiment des enfoirés parce que putain, elle était pas en marche, quoi. Eh, si j'ai. Ah, bah, t'as dit go, hein. Si j'ai, c'est pas notre problème. Hein. Ah, salut LSF, attends, je vais bientôt te voir. Non. Ah là, je suis parti. Oui. Oui. Non, ouais, bah ouais, bon, ça compte pas, la bagnole était pas en marche. Non, mais attends, vous rigolez ah, ou quoi?
Bon, je suis gagnant, premier top. Premier Fab en trichant, d'ailleurs on m'a déjà dit que Fab avait triché sur les autres courses aussi, ça c'est vrai. Deuxième, elle est... deuxième moi, troisième LSF. Bon, ça s'est joué à rien, mais en même temps... Eh, ça va, la voiture elle était pas en marche, moi les gars. Non mais en même temps, ça va, tu m'as foncé dessus. Oui, pour bah passer, c'est... Ah bah oui. Pas dit forcing, ça. Attends, j'ai démarré sans la voiture en marche. Bon les amis, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu, oui, vous a plu. Merci de l'avoir suivi, on se donne rendez-vous au CIMA et bisous à tous. Ciao. Ciao. Et on se donne aussi rendez-vous de toute la semaine pour d'autres vidéos. Voilà. Allez, ciao.